Bonsoir. Hier soir, alors que je rejoignais mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles, mon meilleur copain. Si bien que je me demande si quand je suis pas là, il se sert pas de mes affaires. J'ai des doutes. C'est pas sa pointure, vous comprenez, alors il la force. Après moi, quand j'entre, je vais jouer une étude de sort. Sort était espagnol de 1778 à 1830. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Pour quelques francs, il a une paire de pantoufles n'importe où. Cinquième étude de sort. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je retrouve plus le mien. Il s'en sert, y a pas de doute. Cinquième étude de sort. Ma femme voulait pas me croire. Je lui ai dit, tu verras. Un de ces jours, il va aussi servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son pardessus. Il s'en sert, y a pas de doute. Cinquième étude de sort. Putain. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends « Profitez-en pendant qu'il est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. » Jean, tiens, mon copain qui était là. Je lui dis, hé, hey, baisse la radio, on l'entend en bas. Il s'en sert. Trois jours après, j'entre, je le trouve sur mon lit en train de fumer une cigarette, une des miennes. Je dis à ma femme qui était à côté, hé, hey, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, quoi, y a pas de doute. Alors, mon pyjama, mes pantoufles, ma radio, mes cigarettes. Et pourquoi pas ma femme pendant qu'on y est?